des petits meubles à tiroirs de chez Action. C'est vraiment tout simple. Donc ça, c'est les feutres de chez Action. On va retourner un peu la caméra pour mieux voir. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est des feutres de chez Action. Donc c'est y a plusieurs couleurs. Rose, blanc. Blanc, je sais pas ce que ça donne. En tout cas, les blancs ne vont pas être utiles parce que ça va pas marcher. Donc il y a or, rose, violet, noir. Il y a plusieurs couleurs. Je sais pas si vous verrez dans la vidéo. Sinon, il faut toujours faire ça avec les opins. Donc je vais vous montrer ça. Non, je vais pas mettre tout. Donc tout à l'heure, j'avais déjà customisé deux pots. Donc je vous mettrai une photo dans la fin de la vidéo pour vous montrer comment ça se présente. Donc on va prendre le or. Donc on va lui faire. Donc. Des yeux. Je vois sur beaucoup de vidéos des filles qui ont des peaux à crayon avec des yeux, une bouche et puis des, comment dire, des petits ronds rouges, enfin les joues sont rouges quoi, enfin bref, vous m'avez compris. Et comment dire, c'est à ce qui paraît, ces peaux à crayon sont déjà assez chères. Moi, ça fait peaux à crayon les tasses, mais ils sont assez chers. Donc je préférais customiser moi-même qu'aller en acheter un qui va me coûter 7 euros, que les pots, je les ai payés moitié prix avec les feutres. Donc sur la vidéo, on voit pas. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir de loin. C'est un peu ce style-là. Vous verrez plus sur le gros crayon blanc en fait. C'est que vu que c'est assez marron clair, bah, ça se voit pas, ça se voit pas tant que ça. Donc la bouche, on va la faire plus bas et puis les joues, on va les faire long. Donc les, on va le sourire, on va le faire en rose. Je sais pas si le sourire, vous allez le voir dans la vidéo. Je sais pas si ça va se voir. Je pense pas. Je vais peut-être prendre un stylo couleur. Attendez, ça va pas celui-là. Plus, non, je vais en chercher un, j'arrive. Le rose, on ne voit pas en fait, ça fait tout petit. Voilà, là je pense. Bon, ça fait un peu bas pour un sauvé, mais bon. Je sais pas si vous allez voir dans la vidéo. C'est vraiment. Je sais pas, de toute façon, je ferai une photo à la fin pour vous montrer ce que ça a donné un peu. Comme ça, mais par contre le pot à crayon, vous allez risquer bien de le voir par contre. Donc je vais faire des ronds. Pas sans région du rouge, c'est tout simple machin. Après, si vous faites ce que vous voulez, moi j'ai vraiment, c'est vraiment tout simple. On va lui faire des points noirs.
les points noirs, vous faites comme ça. Hop. Il n'y a même pas 3 secondes, vous avez un pot à crayon avec des yeux, des petites joues et une bouche. Je sais pas, vous allez voir. Bon, c'est vraiment de ce que c'est sombre. Mais on va le faire dans le sur ce pot-là. Et vous verrez mieux. Donc, on va le faire ce côté-ci. Parce que c'est pour les pots. Donc, je vais vous montrer de ce côté-ci. Voilà, le pot à crayon. Je sais pas qui tombe. Donc, on va prendre le or. Pour faire les yeux. Je sais pas si vous allez voir dans la vidéo. Je viens d'apercevoir que j'ai oublié un truc sur la boîte. Voilà. Donc là, normalement, vous avez le foie sur le pot. Ouais. Ça se voit mieux que sur la petite boîte. Mais sur la petite boîte, j'ai oublié de faire un truc fait. En fait, il y a les petites bosses comme ça. Vous n'allez pas le voir sur le... Mais plus sur celui-là, vous allez voir. Couleur... Oui, il n'y a pas. C'est couleur or. C'est quoi ça? Ah, peut-être que celui-là. Ça a peut-être marché. Ça, je ferai après. De toute façon, sortir. Vous avez vraiment pas besoin de grand-chose en fait. Voilà. Donc ça fait style en colère. Ah, ça fait. Elle est en colère. Le pot crayon collé. Bon, on va faire les joues. Je sais pas si elle se marque là. Ça va marquer. Ça va pas marquer beaucoup. J'ai cherché le comme ça le gris en le argenté mais en marque stabilité. Ça se verra mieux avec celui-là, je pense. Parce que c'est marque au champ, donc. Là, ça se voit mieux. Voilà, j'ai oublié de faire ses cils. On m'a conseillé d'aller voir à Action parce qu'il pour faire des faux cils. Donc je vais aller voir à Action. S'ils ont des fossiles, donc j'ai mal fait mon petit mignon. Voilà. Vous allez bien voir, je pense. Ça se voit mieux. Et maintenant, la bouche et les petits points. Donc la bouche, c'est en couleur or. Voilà. Il y en a, ils ont trouvé ça marrant. Parce que j'ai eu le poids crayon, il a coûté 7 euros, 6 entre 7 euros. Franchement, je pourrais pas vous dire un prix comme ça, je sais même pas le prix. Donc je vous dis un prix, c'est même pas sûr que ce soit ce prix-là. Mais
il coûte assez cher et puis pour c'est juste un pot quoi. C'est ça, c'est un style de ferrage, je crois, je sais pas. Mais les pots c'est en verre quoi, donc ça se casse vite. Hop, et là on va faire les petits points. Donc c'est vrai que les bâches sont un peu hautes par rapport aux yeux, mais c'était pour vous montrer. Voilà. Voilà comment je customise un pot à crayon. Et puis un tout petit meuble qui vient de Action pour aller même pas 2 €. Donc là vous avez le petit meuble que normalement vous pouvez voir parce que c'est assez foncé, donc la bouche, les joues avec les yeux en haut, et le pot à crayon que vous verrez mieux parce que c'est blanc. Voilà, donc vous allez me dire, je pense tous, mais où tu as trouvé ton pot à crayon? Moi je l'ai trouvé sur des groupes de vente de vers chez moi, mais sinon ces pots là vous pouvez en trouver à Ikea. À la base c'est des pots à fleurs, mais il y en a beaucoup qui utilisent comme pot à maquillage, donc pour ranger les pinceaux, pot à crayon comme je fais moi, ou j'en ai un autre, c'est pour ranger les cahiers, donc il est plus gros, c'est un plus gros pot à fleurs et c'est pour ranger les cahiers. Donc je vais vous chercher pour vous montrer. Celui-là il est plus gros par rapport à celui d'à côté. Et là c'est pot à fleurs, ça, c'est le plus gros pot à fleurs. Et dedans, c'est des cahiers. Vu que c'est un plus gros. Je pensais pas qu'il allait être plus gros que ça. En fait, donc voilà, j'en ai 3. J'en ai un comme ça, un gros, et 2 petits comme ça. Donc j'aurais voulu en avoir encore un plus petit parce qu'il y en a des plus petits. Mais j'ai trouvé ça joli. Puis les customiser comme ça, c'était pas mal, je trouve. Je trouve que ça change. Qu'un pot normal ou tout blanc. Donc après, en bas, vous pouvez rajouter du washi tape. Si vous en avez. Sur un, j'ai rajouté du washi tape. Vous le verrez dans la photo que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Mais sinon, voilà, c'est vraiment tout simple. Et puis très rapide. J'ai utilisé, attendez. Ce stylo-là, celui-là. Et celui-là. Je crois que c'est tout. J'ai utilisé que celui-là. Donc pour vous dire, j'ai pas utilisé grand-chose. Donc voilà, c'était pour vous montrer une mini-vidéo. Pour vous montrer tous mes pots que j'ai customisés. Customisés entre parenthèses, parce que ça a été vite. Voilà. Là, vous les voyez mieux. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et au fait, il faut que je ferai bientôt ma vidéo pour ceux qui n'arrivent pas à commencer leur bullet journal. Donc il faut que je voie comment je vais organiser ça parce que j'ai pas encore. Faut que je marque, je note comment je vais organiser ça et puis quel jour exactement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.